Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes dimanche. Quelle heure est-il? 9h10. Là je vais étendre le linge, j'ai mal à la tête. Là je me réveille vraiment pas en forme du tout. Genre vraiment. Je me suis réveillée deux ou trois fois cette nuit. Cette fois-ci pas vers 6h et quelques, non. On a fait mieux, on a fait 5h, 5h15 je crois. J'avais tenté de mettre du détachant et tout. Ça m'a l'air pas trop mal sur ma casquette de l'OM. Il y a juste là. Mais ça, je pense que c'est de la rouille parce que je crois qu'il y a un truc, ça là, qui a rouillé. Du coup, bah, je pense que ça, c'est mort. Mais elle avait plein de taches et on n'est pas trop mal. Il y a cette robe aussi qui avait des taches. Purée, il y en a... Attendez, c'est devant ou c'était derrière? Il en reste là un tout petit peu. Il y avait ça là. Ouais, c'est beaucoup mieux. Franchement, il y avait une grosse tache de... Ah, ok, non. Il en reste. Regardez. Sauf que du coup c'est déjà la deuxième fois que je la lave, donc je pense que c'est mort. Je vois pas comment je peux rattraper ça. Je l'aimais trop cette petite robe. Après ça se voit pas de ouf de loin. Vraiment regarder de près, donc je sais pas trop. Comme d'hab, toutes les serviettes, je les mets de côté parce que je les mets au sèche-linge. Parce que sinon je trouve qu'elles sont toutes rêches comme ça, là j'aime pas. Alors qu'au sèche-linge, elles ressortent toutes douces. Mais il n'y a même pas besoin de mettre beaucoup de sèche-linge, genre une demi-heure même pas, hein. Ça suffit. Ouais, mais du coup, ça va être facile à étendre parce qu'une fois qu'on enlève toutes les serviettes, mais il reste plus grand-chose dans la machine. Donc ça, c'est cool. Mais je vais faire une deuxième machine en début d'après-midi avec le foncé. Mais là, ça ne fait pas grand-chose à étendre. C'est sympa. Hop, on a tout. Allez, on va étendre ça. Bon, ça faisait 5 minutes que j'étais posée comme ça sur mon îlot en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que mon corps veut manger? Parce que là, je suis fou. Là, j'ai plus la gerbe que l'envie de manger. Mais je sais qu'il faut manger parce que ça aide. Donc, j'ai même pas trop envie de Chocapic ce matin. C'est bizarre. Je crois que je vais manger déjà un demi-pamplemousse. Je pense déjà c'est pas mal. Et ça, ça va passer parce que c'est frais. On va commencer par ça. Je sais pas quelle température il fait dehors, mais je pense qu'il va commencer à faire chaud. Ils disent qu'il fait 20, ouais. Parce que là, il y a du soleil. On va mettre un bras dehors. Oh, ça chauffe quand même avec le soleil. Donc, je pense que je vais fermer les fenêtres. Là il fait 23,5 dans l'appart. C'est pas mal. Je vais mettre les tendeurs à linge dehors. Parce qu'à mon avis là avec le soleil, ça devrait super bien sécher. Enfin bon, comme j'ai dit, vraiment avec les serviettes en moins, il n'y a pas grand chose dessus. Hein. Et on va manger dehors. Hop, le pamplemousse c'est mangé. Pour l'instant ça m'a suffi. On verra si j'ai envie d'autre chose après. J'ai étendu les serviettes qui étaient fines dans le séchant. Et là on va faire une machine. De foncer couleur. Je suis même pas sûre d'avoir assez de place dans la machine parce que le bac déborde. Normalement, un bac ça fait une machine. Et quand ça déborde, ça dépend. Oh, quoique là. Au moins là, je suis vraiment à jour. Il ne reste plus rien dans les bacs, tout est vide et ça, quel plaisir. Surtout quand tu reviens de week-end et tout. Un appart rangé, les machines à jour, ça c'est un petit plaisir d'adulte. Et ça rentre dans la machine, c'est parfait. Et je crois que c'est la dernière de ce paquet. Ouais. Celle-ci, incroyable. Je vais garder le paquet, je pense, pour retrouver parce que vraiment cette odeur est incroyable. Je fais aux heures creuses, donc quelle heure il est? Donc, nous, vu que ce soit en début d'après-midi, parfait, dans 4 heures. Et là, je vais aller me poser un petit peu dans mon lit parce que, comme je vous ai dit ce matin, c'est pas du tout la grande forme. Je pense que je vais mettre un petit truc. Par contre, je vais fermer un peu parce que le vidéoprojecteur, non, on voit nada. On peut laisser quand même de la lumière ou pas? Même enfermé entièrement, il y a de la lumière. Bon, vous voyez pas très bien, mais bref. Et je vais jouer, je pense, un petit peu à Animal Crossing en même temps. Et par contre, on va éteindre la lumière, c'est mieux. Je me suis pas lavé les dents. Me laver les dents matin, midi, soir. Hein. Je sais qu'il y en a quand ils sont à la maison ou quoi, ils se lavent pas forcément genre les dents le midi. Ah ouais, ça c'est mon truc d'adulte qui est bien aussi, c'est que mes courses sont faites. Donc là vraiment cette semaine, je suis tranquille. Je suis bien avancée dans mes vidéos, au niveau de la maison tout est bien. Faut que j'aille faire ma prise de sang lundi aussi d'ailleurs. Demain quoi. Et on est en septembre, je vais pouvoir rappeler pour qu'ils viennent peindre le chat. Parce que j'avais dit « Ouh, qu'il y a personne !» Mais là c'est bon. Bon. Il est midi 29, je vais pas trop vous raconter toute la matinée parce que c'était vraiment pas une matinée ouf. Même pas ouf du tout. Genre pas ouf au point de... Je peux pas vous filmer quoi. Bref, faut que je me fasse à manger. Il faut que je mange un truc absolument parce que là sinon ça va être compliqué à l'eau. Ah mais ma tomate elle est déjà en train de moisir là. Ou je rêve. C'est quoi ces tomates? Sérieux, j'ai fait les courses. Pas longtemps là. Il y en a une qui est toute molle et deux autres qui ont déjà des taches de moisir. Que justement vu que je suis partie, bah, je les ai mises dans le frigo. Parce que je me suis dit si jamais il fait très chaud et tout pour qu'elles se conservent mieux. Tu parles.
Mais du coup, je vais faire ça. Je pense que là, il faut que je mange un truc. Faut que je mange, mais je pense qu'un truc plus consistant, ça passera pas. En tout cas, la montagne, niveau appétit, c'était bien. Genre, là, je me suis pesée ce matin, j'ai pris 1 kilo. Bon, faudra que je me repèse avec le recul, mais ah, mais celle-là, je suis pas sûre à manger. Hein. Elle est toute molle. Ça me dégue. Celle-là, elle a quelques petites taches, mais au bout, elle est bien. Bon, bah écoutez, on va laver 3 tomates. Celle-là, j'ai pas confiance. Parce que quand vous mangez une tomate qui est pas bonne, vraiment, ça gâche tout. Ouais, bref, je disais, ouais, à la montagne, j'ai pas trop mal mangé. En plus, il y avait le buffet pour le petit-déj. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix, donc c'était pas mal. Et sinon, ouais, bah du coup, on a fait resto, tout ça. Enfin, je me suis pas privée, quoi. Et il y a des fois, j'aurais pas eu très faim. Mais comme on était, bah du coup, avec Ombeline et donc Elio, donc son fils... Bah quand t'es avec un enfant, tu manges aux heures des repas, tu fais des goûters, tout ça quoi. Alors que moi, quand je suis toute seule là, bah en mode de si j'ai pas très faim, je vais pas forcément manger. Alors que s'il y a quelqu'un d'autre qui mange, ou s'il y a un plat, ou si je suis au resto, bah c'est plus simple de manger on va dire. Bon, je vais couper les tomates. Et Emily m'a proposé d'aller voir le Grand Prix chez ses parents. Donc je vais voir, je lui ai dit que je verrai si ça allait mieux. On verra, c'est à 15h le Grand Prix. Je sais pas quelle heure il est là. Il est mis. Donc je vais voir. J'ai essayé de manger, ça va faire du bien je pense. Voilà, bon, ça ressemble pas à un vrai repas, c'est pas un plat, mais c'est toujours mieux que rien. Et en dessert, je mangeais des petits fruits. Bon, je vous reprends. J'ai été en appel vidéo tout à l'heure avec mes parents et tout, mes sœurs. Là, je vais me prendre un petit hop, il y a le Grand Prix qui a commencé, ça a bugué, j'ai passé mon compte Canal à Ambeline et ça nous a dit trop d'écran. Du coup, là, ça faisait quasi une demi-heure que j'arrivais pas à faire marcher le truc. J'étais saoulée, mais vraiment saoulée. Parce que je paye 45€ Canal. Ouais, avec Disney et Netflix, mais bref. Canal, en gros, je regarde que pour le Grand Prix parce qu'en fait, je regarde quasiment jamais. Ça m'était déjà arrivé de regarder un ou deux trucs, mais franchement, quasiment rien. Donc, j'avoue que j'étais bien énervée. Et là, ça refonctionne. Donc voilà, on y retourne avec un petit yop framboise. Bon, je suis allée chercher mes lunettes parce que sinon, j'arrivais pas à lire les chronos et tout là. Bon, 18h13, c'est toujours pas la grande forme, hein. Même pas du tout. D'ailleurs, je vais essayer de reprendre un petit cachet là. Si je vous mets là, je vois pas ce que je filme, mais vous tenez. J'entends plus de bruit dans la salle de bain, donc je pense que la machine elle doit être terminée. Donc je vais aller l'étendre. Je pense que l'autre elle doit être sèche, celle que j'ai étendue tout à l'heure. Vu comment il a fait plus de 30 degrés toute la journée, qu'elle a été une bonne partie au soleil, je pense qu'on est pas mal. Sinon, le Grand Prix est fini. Pas été une réussite pour les Alpines, hein. Mais un combat très sympa de Ferrari qui m'a bien occupé. On va aller voir la machine et on va aller l'éteindre. Pas envie, j'aurais de dormir. Mais j'ai super mal à la tête, du coup j'arrive pas à dormir. Du coup c'est un peu relou quoi. Ça se trouve vous me voyez même pas, je suis même pas cadrée, ça se trouve. Bon allez, let's go. Il est 20h38, il faut que je mange, donc il me reste mon reste de courgettes. Et là je suis en hésitation, est-ce que je fais des pâtes ou est-ce que je fais de la purée? À la base je voulais faire des nuggets, mais clairement le temps de les faire et tout, et des frites de patates douces, j'aurais pas le courage, impossible. Donc je les ferai peut-être demain. J'hésite trop sur ce que je veux faire là. Pardon, je me suis dispersée, j'ai vu des taches dans mon évier, ça m'a perturbée. Je crois de la purée, j'adore la purée, je peux en manger tous les jours. Je suis vraiment dans la période purée. Et je prends celle-là, purée mousseline. Je pense que ça se fait vite. Et on va essayer de pas faire bouillir, enfin de pas foutre du lait partout quand on l'a fait bouillir cette fois-ci, parce que bon. Ça va 5 minutes quoi. Vraiment une galère, j'en ai marre. Et en plus j'étais juste à côté, j'étais en train de m'occuper de mon steak. Oh. Par le nez dessus en fait. Ça déborde trop vite. Une demi-seconde d'attention et tout. C'est pas grave, hein. Je perds juste un peu de lait à chaque fois. C'est un peu, sûrement un peu plus consistant que ça ne devrait l'être. Je suis vraiment en train de prendre du beurre avec une fourchette. La chose la plus pratique. Étant donné que je mange pas beaucoup, niveau matière grasse, on fait pas trop attention. Tout ce qui est pris est bon à prendre. C'est pas une expression ça. Voilà mon repas. Et on va essayer de manger à table. Ça suffit de manger dans le lit. Bon là c'était fini, difficilement mais fini, là je vais aller
me poser parce que j'ai mal aux jambes, mais je pense à la chaleur là. Ouf. Bon, il est à peu près 22h. Je pense que je vais vous laisser pour ce vlog parce que là je suis crevée. J'ai pas réussi du coup à faire de sieste aujourd'hui, je n'en peux plus. Donc je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et mettre des petits commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour un prochain vlog.